Les hydrocarbures toujours, mais côté pompe, cette fois, la hausse des prix du carburant attise la colère des automobilistes. Une journée d'action est d'ores et déjà programmée le 17 novembre. En attendant, des groupes se constituent un peu partout par le biais des réseaux sociaux. Dans la région, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées ce matin à plan de campagne pour déterminer une stratégie. On écoute un jeune entrepreneur impacté par cette hausse des prix du carburant. Nous, ce qu'on veut vraiment, sur le fait qu'on veut inciter sur cette manifestation du 17 novembre, c'est vraiment le mouvement pacifiste et vraiment apolitique. On ne veut pas d'étiquette politique, pas d'étiquette de syndicat. Ces personnes-là peuvent venir, mais sans montrer leur écusson, sans montrer leur flamme, sans montrer n'importe quoi. C'est vraiment un mouvement du citoyen, un mouvement de ras-le-bol. On en a vraiment marre. Moi, je roule beaucoup, donc ça me coûte approximativement pratiquement 450 euros d'essence par mois. Je gagne de l'argent derrière sûr en me déplaçant. Mais c'est pas normal que je dépense autant d'argent dans l'essence.